Bah, il faut retourner. Il faut retourner là, après. Hein. Ils sont en train de faire le mur. Hein? Et le mur, ils sont en train de le murer. Il est où, nous, toi? Regarde-moi les frimards, les jaloux. Les jaloux. Nous, on n'est pas nés dans la rue, hein. Nous, on n'est pas nés dans la rue. On a une maison. On travaille tous ici. Ils ont honte. Honte la France. Je vais parler. Si la France, elle se permet de mettre les gens dehors quand il neige, je suis vraiment désolé. Elle doit s'interdire de défendre, de se réclamer des droits de l'homme, de l'humanité. Elle doit interdire, c'est-à-dire, elle doit arrêter de parler de tout ça. C'est des conneries. C'est des conneries. Il vient aujourd'hui nous mettre dehors. Est-ce que ça c'est normal? Ça c'est un droit de l'homme? N'est pas normal ça. Ça n'est pas normal. Ça c'est un pays que tout le monde mérite. C'est normal. Il ne mérite pas. De deux. Mais il veut que nous on reste dehors. Si on reste dehors, on va brûler le quartier. Parce qu'on ne mérite pas de rester dehors. On mérite de vivre comme les autres. On a toutes les affaires dedans, pièces d'identité, tous les dossiers dedans. On voulait rentrer pour aller prendre notre dossier, ils ne voulaient pas. Ils ont caché, ils ont mis tous les dossiers dedans. Vous voyez que personne ne prend quelque chose dedans. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Merci. C'est ça. Alors que nous, on travaille dans le bâtiment. Voilà. Je sais très bien. Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? C'est qui? Rien. À quelle heure on sort? Zéro. À quelle heure on dort? Voilà la France. Parce qu'on ne veut pas les voir dans les quartiers, c'est ça. Ils parlent égalité. À cause de ça, ils sont venus détruire ici. Bon, ça, il a accepté, il a accepté. Parce qu'ils sont des pouvoirs. Ils sont de l'argent. Nous, on est des pauvres. On est des pauvres. 6h du matin, mettre les gens dehors. Les gens sont fatigués de tout ça. Ils sont fatigués. Les gens sont fatigués. Durant les deux dernières années, les expulsions se sont enchaînées dans le bas Montreuil et le quartier des Coutures à Bagnolet. Cet été encore, avec l'expulsion de la rue des Sorins et de la rue Robespierre, des centaines de personnes se sont retrouvées à la rue. À la mairie de Montreuil et à celle de Bagnolet, on en rejette la faute sur la préfecture. Comme le dit un élu de Bagnolet, la préfecture a décidé de nettoyer le secteur, faisant de l'expulsion des squats une politique prioritaire. C'était des squats, c'est l'ordre des choses, me direz-vous. En vérité, depuis longtemps, ils réfléchissent à la transformation du quartier. La spéculation a commencé depuis plusieurs années, les locations ne sont pas renouvelées, les immeubles sont gardés vides. Un plan associant préfecture, communes et promoteurs, en gestation depuis plusieurs années, prévoit la destruction de dizaines d'immeubles, l'éviction de commerces, la percée de nouvelles rues. Comme cela s'est déjà observé dans les quartiers populaires parisiens, dans un premier temps, les destructions vont se multiplier. Ils vont détruire les poches d'insalubrité qu'ils ont soigneusement laissées pourrir. Alors qu'il existe déjà une liste prévisionnelle des immeubles à abattre, les habitants, eux, ne sont toujours pas au courant. En accord avec les promoteurs et les groupes du BTP, ils veulent construire leur ville idéale. À Montreuil, porte de Paris, ils ont déjà commencé à construire cette ville idéale. En 10 ans, ils ont fait table rase du passé. Des bureaux, des cadres, du tertiaire, des caméras, des grilles, de nouveaux commerces, des prix qui augmentent, des milliers de mètres carrés de vitres à nettoyer. Leur plan prévoit, je cite, d'éviter l'évasion commerciale des cadres. Il faut qu'ils consomment et habitent sur place. Le plan prévoit également la construction de logements sociaux. Mais dans les faits, la politique d'attribution de ces logements, l'existence de 3 catégories différentes d'HLM, la dernière n'étant clairement pas destinée aux classes populaires, et enfin leur construction insuffisante, exclut, de fait, la plupart de ceux qui en auraient la plus grande nécessité. Dans tous les cas, ceux qui sont expulsés aujourd'hui ne seront pas relogés ici. C'est pas un rassemblement, c'est vous qui l'avez créé. On vous dit la porte.
Sorabi. Je bouge pas, moi. Je suis là. Non, Sorabi, on bouge pas. On est là. Sur moi. On est là. On bouge pas. Je vais aller où? On bouge pas. Je vais aller où? J'ai tout fait pour la France. Je vais aller où? Je bouge pas, moi. Je suis là. Je bouge nulle part. Et quand t'as 18, on je suis là. Je bouge pas. 39, 45, on connaît aussi. On connaît. Tiens-nous. On bouge pas. On est là. On bouge pas. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes des travailleurs. Vous voulez quoi? Nous sommes des travailleurs, nous. On n'est pas des voleurs, ni des bandits. Nous sommes des êtres humains. Comme tout le monde. On bouge pas. On bouge pas. Tiens-nous. 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 On bouge pas. On bouge pas. On bouge pas. Ah merde, Matt là-bas, Matt, oula, aïe aïe aïe. Arrêtez! Il peut pas respirer là, hein. On fait quelqu'un là, on vient. Il veut faire la violence. On est partisans de la violence.